Le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé que les services de renseignement, les unités de lutte contre le terrorisme et des gardes nationaux avaient déjoué une tentative de Daesh d'établir un soi-disant émirat islamique dans la région de Djelma, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. L'attaque antiterroriste anticipée était couronnée de succès. Certains terroristes ont été neutralisés, d'autres arrêtés. Des armes et des explosifs ont également été saisis au cours de l'opération. Les forces de sécurité sont prêtes à faire face à toute menace terroriste. Hichem Fourati a déclaré devant la commission parlementaire de la sécurité et de la défense qu'un nouveau plan de sécurité serait mis en place à Kasserine, près de la frontière algérienne. La stratégie reposera sur un commandement unifié pour lutter contre le terrorisme. Le ministre a également souligné que le nouveau plan sera généralisé dans d'autres gouvernorats frontaliers, notamment Djendouba et Au Kef. Cette nouvelle structure de sécurité, une force commune police-garde nationale, sera dédiée uniquement à la lutte contre les insurgés. Cette force commune jouira d'un degré de liberté d'initiative plus élevé et ne sera pas obligée de faire référence au commandement territorial. Des experts avec les plus hautes qualités ont été choisis pour diriger cette unité. Les experts estiment que les groupes terroristes ont changé de mode opératoire. Ils se servent de cellules dormantes et utilisent maintenant des personnes sans casier judiciaire. Les cellules terroristes ont adapté leur stratégie pour brouiller les cartes à la suite de l'arrestation et de l'assassinat de plusieurs personnalités dans des cellules dormantes. Elles dépendent de simples citoyens, mais les services de renseignement sont conscients de ce scénario. Le ministre Fourati a déclaré que de nombreux Tunisiens avaient été arrêtés après leur retour de zones de conflit comme en Syrie, en Irak et en Libye. Le ministre a souligné l'importance de la collaboration étroite entre l'appareil de sécurité tunisien et ses homologues au niveau arabe et international. Le ministre de l'Intérieur a approuvé la décision de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme de geler, pour une durée de 6 mois renouvelable, les fonds et les ressources économiques de l'organisation terroriste Jun al-Khilafa, une branche d'Al-Qaïda en Afrique du Nord, ainsi que les avoirs de 40 individus accusés de terrorisme. Certaines de ces personnes appartiennent aux cellules dormantes de Daesh en Tunisie.